Vous voulez connaître pourquoi j'ai ri? Vous savez, vous aurez remarqué avec moi qu'avant là, on marchait lentement. Mais maintenant, tout le monde est pressé. On n'a même pas le temps de se peser hein, pour voir combien on pèse. Il n'y en a pas. En venant là, j'ai trouvé mon voisin qui est en train de dire les explications de l'enseignant de son fils. Ça veut dire qu'il traduit trois mots. Ils ont demandé à l'élève là de définir le mot citoyen, gouvernement et avenir. Alors là, l'élève n'avait pas compris parce qu'il était petit. Il n'a que 5 ans. Maintenant, son père prend tout son temps et dit, « Hey, fils, citoyen, c'est d'abord moi, ton papa. Gouvernement, c'est ta maman parce que c'est elle qui prend toutes les décisions de la maison. Avenir, c'est ta petite cadette là, qui n'a que 2 ans. Donc, on ne sait pas, c'est seul l'avenir qui dira. L'enfant a encrané ça dans sa tête. Les enfants sont tellement stratèges et sages. Maintenant, toi, la petite cadette de 2 ans, là, elle a fait pipi. L'enfant est sorti en courant. Citoyen, 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 dis au gouvernement que l'avenir est en train de se noyer. Quand ils sont venus, ils ont découvert que non. Il y a eu problème d'explication. L'enfant a fait juste pipi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ils l'ont pris pour le faire promener. Deuxième épisode de l'histoire, toujours dans mon quartier, hein, y a une maîtresse qui a un nom traditionnel. Elle s'appelle Djumbagla Elisabeth. Oui, vous riez, c'est un nom. Djumbagla. Donc, comme le Tchad est un pays laïque où tous les Tchadiens de l'intérieur ou de l'extérieur doivent cohabiter ensemble, doivent se réconcilier ensemble parce que c'est une obligation. Donc, toi la maîtresse là, tu as donné une leçon à tes élèves. Dans la leçon, elle a fait savoir à ses élèves que Dieu est visible pour les uns et invisible pour les autres. À la fin de la leçon, elle colle un devoir de dessin. Et c'est les élèves de CP1. Hein. Elle dit que chaque élève dessine Dieu de sa manière sur l'ardoise. Tous les élèves ont réussi chacun à dessiner Dieu de leur manière. Mais il y a un qui n'a pas dessiné sur son ardoise. Il s'appelle Ndjoufou le fou. Il est physiquement fou, socialement fou, intellectuellement fou. Alors la maîtresse, très nerveuse, elle dit, mais foufou le fou, pourquoi toi tu n'as pas dessiné alors que tes élèves ont dessiné? Il dit, maîtresse, comme toi-même tu viens de dire que Dieu est visible pour les uns et invisible pour les autres, comme l'ardoise aussi est noire, j'ai peur que Dieu serait là-dedans, c'est pourquoi je n'ai pas dessiné un autre Dieu. Vous savez, ce n'est pas fini, hein? Toujours dans mon quartier. Maintenant, comme 2021 est parti, non, est parti avec ses problèmes, ses soucis, tout, non. Ça, c'est 2022. Si vous aurez remarqué, comme moi, dans chaque famille, les gens rient seulement à gorge déployée. Même si
Ce n'est même pas une histoire drôle, même là, les gens. Ils prennent les gigots par-ci, les gigots de poulet. Les gens sont en fête. Maintenant, c'est quand vous allez écouter les bruits des enfants dans chaque maison là. Ça va commencer à partir de 22, 23, parce que janvier est long. C'est pourquoi, en venant, j'ai trouvé un ami qui est enseignant. Même s'il y a les enseignants, excusez-moi. C'est un métier noble. Mais ces derniers temps-là, c'est un métier risqué. Parce que les enseignants d'aujourd'hui sont aussi jeunes. Donc, ils tombent aussi en face des jeunes comme eux. C'est le plus fort qui gagne, non? Maintenant, mon voisin là, il a un gros sac. À chaque fois là, il a son gros sac là en main. Je ne savais pas. Donc, un jour là, on s'est salué. J'ai dit, mais voisin, excuse-moi, je ne suis pas un militaire qui fait les fouilles. Mais je voudrais juste savoir ce qui est là-dedans. Il dit, mon ami, les élèves d'aujourd'hui là, ils sont tellement têtus qu'on n'arrive même pas à les maîtriser. Donc moi, dans mon sac là, j'ai un gros marteau. J'ai dit, ah! Il dit, ça a commencé comment? Un élève, il est comme ton enfant. Toi, l'enseignant, tu es comme son père. Il y a une manière de faire parler aux enfants, les ramener à la raison. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et les enfants qui viennent à l'école parce que ils ont des gens derrière ou bien parce que leur papa est tel et ceci, non. L'école n'est plus un coin où on doit venir avec les couteaux. Hein. Les couteaux, c'est dans les cuisines, c'est dans les restaurants. Vrai ou faux? On est dans un Tchad nouveau, un Tchad de paix. Et à tous ceux qui nous suivent, nous disons d'abord bonne année, que Dieu bénisse d'abord notre beau pays, le Tchad, qui reste notre seul patrimoine. Le message qu'on doit dire, quelles que soient nos religions, nos régions, on est appelé à vivre toujours en tant que Tchadien, s'aimer, se rendre visite. Celui qui a, il donne à celui qui n'a pas. Oublions les querelles, marchons main dans la main, parce qu'on est obligé, qu'on le veuille ou pas.